c'est l'impolitesse, monsieur. Bonjour tout le monde! Je suis tellement pas réveillée, c'est pas crédible. Ça fait si longtemps que je n'ai pas prononcé ces mots, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis trop contente, c'est une journée trop cool puisque je vais me faire un nouveau piercing, donc c'est trop bien. Et là, j'ai passé une nuit affreuse, j'ai trop mal dormi. J'ai maté au moins un épisode ou deux d'une série. En ce moment, je me refais The Flash. Je vais me réveiller tranquillement avec ça et puisque après, faut que j'attaque, faut que je bosse. Mode cocooning activé. Oh, on est en automne! Voilà prête. Et oh pardon, à chaque fois je te réveille, je suis désolée mon amour. Oh les gars, j'ai tellement de choses à vous raconter. Vous savez, j'ai cette sensation là, j'ai l'impression de retrouver des copines que j'ai pas vues depuis des semaines ou des mois. Aujourd'hui, trop bonne journée, je suis trop contente parce que vraiment, je me fais percer quoi. J'ai peur et en même temps, j'ai hâte. Ça y est, j'ai fait ma pré-rentrée, je reprends les cours dans quelques jours, là le lundi prochain. Et du coup, j'ai profité de ces deux semaines sans cours pour voilà, penser aux mémoires. Aujourd'hui, j'attaque réellement les recherches de stage. Ça va être la merde. Et j'ai profité aussi pour réfléchir à mes prochaines idées de vidéos, voir comment je vais pouvoir m'organiser. J'aime trop tes petits pieds, oh là là, j'ai envie de les manger. Programme de la journée, je vais m'organiser pour mes prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas. Je pense que je vais un peu vous montrer, mais j'ai vraiment envie de faire un tableur bien organisé pour mes recherches de stage. Donc je vais vous montrer un petit peu pour que ce soit très clair dans ma tête et tout. Je vous ai même pas dit quel piercing j'allais faire. Je vais me faire le tragus. Voilà, ça fait super longtemps que je voulais le faire. Je vous ai demandé votre avis d'ailleurs sur Insta parce que je savais pas à quelle oreille je voulais le faire vu qu'à cette oreille là. Du coup, deux piercings à l'hélix et j'avais peur que ça fasse trop avec le tragus en plus. Et la majorité était d'accord avec moi, donc du coup, bah, ça va être à l'autre oreille. En fait, la douleur pendant le piercing, c'est pas ce qui me fait vraiment peur parce que je me dis c'est un mauvais moment à passer pendant 3 secondes et voilà. Et je sais qu'après, pendant quelques heures, ça va chauffer, mais ça va aller. La cicatrisation qui me fait un peu peur parce que mes deux hélix, ça s'était pas du tout passé de la même manière. Je sais qu'on m'a déjà dit tu pourras faire une vidéo sur tes piercings et tout, alors dites-moi si jamais ça vous tente. J'en avais fait une, je crois, à l'époque, mais ça date de ouf. Bon bah du coup là je vais me réchauffer un thé et je vais me mettre à bosser. Alors est-ce que je bosse d'abord pour YouTube ou d'abord pour la fac? Non Margot, ton stage. La reprise elle va être compliquée quand même. Hein. Elle va être tendue. Ah merde, j'ai ma grand-mère qui m'a appelé. Bonjour Margot, donc tu sais que c'est moi. Est-ce que t'es sous la douche ou tu dors encore? Il est revenu quand même. Elle me dit. Donc je vous explique vite fait comment j'essaye là de m'organiser, je suis preneuse de conseils. Hein. Je suis en train de me faire un tableur en fait pour que mes recherches de stage du coup soient bien organisées. Il y a quelque chose de très simple. Je vous montre vite fait si jamais vous avez des colonnes à me conseiller de rajouter ou vos techniques, moi je prends hein. Donc là il y aura le nom des entreprises. Là c'est, je vais appeler pour savoir du coup s'ils prennent stagiaire ou non, donc si c'est non, il n'y aura même pas à remplir le reste du coup. Ensuite la date à laquelle j'ai envoyé pour la première fois mon CV et ma lettre de motivation, je note la date en fait pour savoir quand est-ce que c'est légitime de relancer, donc je me dis que 2 semaines après c'est pas mal. Ensuite la date d'entretien si j'ai la chance de décrocher un entretien et puis la réponse du coup définitive. Puis je vais remodifier mon CV pour le finaliser, je l'avais déjà remodifié mais voilà. Bon je retrouve, je suis tellement plus productive quand je vlog, vraiment en une heure et quelques, j'ai fait bien plus qu'en une semaine. Du coup j'ai réussi à choper un contact pour possiblement un stage, donc ça c'est cool. Donc cet après-midi mission, faire la lettre de motivation. Et là je m'apprêtais à contacter une prof pour qu'elle soit, si elle veut bien, ma tutrice de mémoire. Je vais aller manger. Au menu ce midi, c'est pas ultra équilibré n'est-ce pas? Ah, je vais peut-être me prendre une tomate. Petit croque-monsieur, trop bon. Je profite de ce vlog pour vous montrer ce que j'ai reçu, je suis trop contente, oui. Oui, un calendrier de l'Avent déjà, mais c'est le calendrier de l'Avent de chez The Body Shop. J'avais déjà reçu une autre année leur calendrier de l'Avent et je l'avais adoré. J'adore les dessins, je le trouve trop trop beau et hop, quand on ouvre, ta-da, toutes les petites cases, oh là là. Je vais ouvrir toutes les cases avec vous en story, donc pour l'instant voilà, j'ai reçu juste celui-ci, mais c'est déjà très bien parce que clairement The Body Shop, à chaque fois c'est mon préféré, donc je suis trop contente. Genre il y a plein de full size, donc ça c'est trop bien. Et je voulais faire un petit mot quand même parce que je trouve ça top leur initiative. En gros The Body Shop là, ils se mobilisent pour mieux accompagner les femmes victimes de violences, donc mieux les accompagner juridiquement. Et du coup ils s'engagent à reverser minimum 30 000 euros des achats, des coffrets de Noël qui vont être faits cette année pour financer du coup des actions juridiques et je trouve ça génial. J'ai trop hâte, je vous jure, c'est tellement tentant. Et ce qui est bien avec ce genre de calendrier, c'est que c'est réutilisable avec les petites boîtes.
Donc je pense que je le garderai et je sais pas, peut-être que je l'offrirai à une copine une autre année avec des produits que j'ai mis moi à l'intérieur, bref. Maintenant que je me prépare à partir, je suis contente, j'ai bien avancé dans tout ce que je voulais faire mine de rien aujourd'hui. Je me prépare entre guillemets à partir, alors ce que je vais faire, c'est que je vais super bien m'attacher les cheveux. Déjà pour qu'ils puissent percer, puis avec le Covid du coup, ça fait partie des mesures d'hygiène, c'est à nous de nous attacher les cheveux, normal tu vois, mais bien les attacher, donc je vais mettre des barrettes et tout. J'ai le stress qui monte, en vrai, je sais pas pourquoi, ça y est, d'un coup j'ai peur. Donc je vais bien plaquer tout ce que je déteste, avoir les cheveux attachés et plaqués. Donc voilà, mais aujourd'hui vous avez un parfait résumé de mes journées en ce moment, hein. Je sais c'est pas passionnant, mais c'est vraiment ça. C'est boulot, 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 ordi à fond du coup, migraine tous les soirs. On va essayer de faire un petit chignon crotte. Ouais je sais, alors c'est une coupe, ça me va pas du tout hein, ce style de coupe, vous aurez le droit de le dire. 16h20, j'ai rendez-vous dans 40 minutes. Oh, mais faut que j'y aille. Je vais mettre de la musique parce que ça va me détendre. Ah mais sweat. Très rapidement puisque là c'est la course, je n'arrête pas et j'ai des petits trucs à faire, mais regardez, oh là là, j'adore, je trouve ça canon, je suis trop contente, c'est trop joli. Et du coup j'ai pu choisir la prothèse, il y avait plein de choix, mais j'ai voulu prendre un truc assez discret mais quand même avec une petite pierre comme ça, parce que bah voilà, elle m'a dit la prothèse tu vas quand même la garder pendant des mois et des mois. Donc voilà, et je suis passée vite fait du coup acheter ce qu'il me fallait pour faire mes soins. Donc j'ai pris je suis allée en pharmacie prendre un gel douche neutre, enfin pH neutre sans parfum. Voilà, il est énorme, donc moi je suis sûre qu'il va me faire bien longtemps, et puis après ça me servira de gel douche quoi. J'ai aussi pris du coup en grande surface du sérum physiologique, donc pour bien rincer. Et je suis allée prendre aussi des petites compresses stériles. Donc voilà, je ferai mes premiers soins ce soir. Je vous dis c'est la course parce que pendant que j'étais en train de me faire percer, j'ai pas vu forcément puisque j'étais en silencieux, j'ai un numéro qui m'a appelé, j'ai écouté le message et en fait c'était la prof que j'ai contactée pour mon mémoire qui m'a déjà rappelé. Et là je viens à peine de rentrer et mon frère a dit à mon père, oui tu peux passer à la maison, j'ai un problème machin machin. Et du coup mon père me dit, bah tu veux venir avec moi, ça sera l'occasion de voir ton neveu. Il y a que des bonnes occasions donc. Ah oui, puis je pense qu'on va me demander du coup pour la douleur. Franchement j'ai quand même eu mal, moins que l'Elix. Mais presque pareil quand même. Donc pour le coup, je m'attendais à moins douloureux. Et là, ça chauffe, je sens que ça tire. Je sais pas comment vous dire, je sens que j'ai un objet pas normal quoi dans mon oreille. Donc, mais voilà, ça va être les premiers jours comme ça. Faut pas que je dorme dessus, ça va être compliqué parce que j'ai pris l'habitude de dormir sur cette oreille vu que j'ai mes Elix sur l'autre. Je suis jamais déçue de ce salon, donc c'est Mine Too Piercing. C'est là que j'ai fait tous mes piercings, je suis jamais déçue. Du coup, voilà, bah là, je vais aller chez mon frère avec mon père. Et je suis trop contente. J'ai failli faire un malaise. Si, quand même. Et bon, j'ai pris mon temps pour me relever et tout, et c'est un piercing qui se fait... Enfin, j'étais allongée, alors que mes Elix, pas du tout, donc écoutez, au moins j'étais posée, c'est pas mal. J'avais trop peur, vu que j'ai un petit tragus, que ça fasse énorme, donc moi je pense que plus tard, mais vraiment dans un an et demi, deux ans presque, je mettrai des tout petits, comme là j'ai fait pour mon Elix en fait. Je sais même pas si le focus va se faire. Mais vous voyez, j'en ai deux. Donc j'ai un anneau, et j'aime bien mettre des tout petits comme ça. Mais il faut que, voilà, faut que ce soit super bien cicatrisé quoi. Donc bah let's go chez mon frère. À qui sont ses pieds? Oui Lily, oui Lily. Ça te fait rire? Ça te fait rire mes bêtises? Ouais, je fais écouter de la bonne musique hein. It's a kind of magic. Manger? Mon cœur. Oui j'arrive, tu me donnes déjà ta pâte. Oui mon amour. Oui. Oui mon cœur, mais t'es affamée dis donc ce soir. Je vous retrouve bien plus tard. Désolée, j'ai trop mal. J'ai rien fait de spécial de ma soirée hein. Clairement j'ai glandé devant la télé, j'étais assommée, je sais pas. Là je m'apprête à faire mes soins. Est-ce que j'ai déjà dégommé la fiche de soins? En gros là ça fait quelques heures que vraiment ça me lance. Mais ça me lance, c'est un truc de fou. J'ai vraiment mal pour le coup. Et en fait dès que je parle ou dès que je souris, donc c'est pour ça que vraiment là j'ai mal, ça me tire et du coup ça me fait super mal. Donc je vais passer une nuit de merde, je vous le dis. Du coup j'ai attaché mes cheveux pour la nuit. Alors nettoyer le piercing avec un savon pH neutre. Waouh, sa mère la chouin. Oh la vache. Ok, c'est très douloureux ça. Bon, j'ai voulu bouger la barre pour bien laver tout le piercing. En fait j'ai le tragus tellement gonflé que la barre ne bouge pas d'un poil. Bon, le but c'est pas de vous décourager à vous faire percer hein. Ciao, bitch.
Bon, du coup, je vous retrouve dans mon lit. Cette coupe, on dirait que je suis chaud, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est pas une partie de plaisir là ce soir, mais en fait, c'est surtout qu'il est tellement gonflé et douloureux. J'arrive pas à faire bouger la barre pour vraiment bien le nettoyer. Donc j'insiste pas, je me dis que c'est normal, il est gonflé pour l'instant. Donc bon, mais au moins c'est fait, hein, c'est tout propre, en espérant juste que cette nuit inconsciemment je ne me retourne pas sur mon oreille, parce que alors là je vais douiller. Souhaitez-moi une bonne nuit. Je pense que là je vais me caler dans mon lit et je vais répondre à vos DM, parce que je suis très en retard pour vos DM Instagram, donc je vais aller faire ça, ça va être trop cool avant d'aller dormir. Mais voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao.